là, re YouTube, enfin re pour nous, pas pour toi en l'occurrence. Alors non. On se retrouve à la suite, juste après la cinématique que tu as vue à la fin du dernier épisode YouTube. Est-ce que je viens de rater des choses? Pas l'air. Je sais pas, ça j'y ai pas touché. Donc si, j'ai raté des choses pour aller en bas. À moins que ce soit pour la suite peut-être? Dans une autre salle? Je sais pas. Ça a l'air d'être accessible, mais je pense pas. Pas depuis ici en tout cas. Bah si, regarde les panneaux. Ah, il y avait bel et bien des panneaux pour que j'accède. Merci. À moins que ce soit par ici que j'ai accédé. Mais où? Quoi? C'est pour remonter. Bravo moi. GG. Je comprends pas parce que là-haut. Là ici. Là ici. Non, 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 regarde sur le mur. C'est pas que pour remonter. Wesh, c'est une blague. Non, mais vas-y, abuse pas. Non mais fader pas. Je te jure on va y arriver YouTube. N'est pas loin. Voilà. Non, on peut continuer. Normalement, c'est bon. Confirme BD1. Confirmé. D'abord ça là-bas. Ah mais attends, je viens de comprendre, c'était pour passer boss de stream les bits que t'as offert. Je vois pas ce que tu veux dire. On s'y remet. Dagan pourrait être n'importe où. Prêt, BD? Je dois aller là. Si t'es prêt, alors je suis prêt. Ici, y'a quoi? Y'a forcément un truc. Y'a forcément quelque chose. Vous allez pas me faire croire qu'il y a une salle jolie, belle. Ah! Un scan, au moins. Des modules de sauvetage. Ça pourrait être utile. Rien d'autre? Si, j'avais bien raison. Ça, c'est un raccourci du coup. On a exploré tout ce qu'on pouvait ici. Confirmed. Confirmed. Ah non, pas Confirmed, il y a ça là. Tut. Débloquer le raccourci.
Qu'est-ce qui me ramène? Il me ramène tout en bas. C'est pas le même ascenseur que j'ai pris tout à l'heure, ça? Non, parce que l'ascenseur il te faisait monter. Bah oui, mais celui-là, logiquement, vu que je descends, ça veut dire que l'autre il aurait. Techniquement, il m'aurait fait monter. C'est juste que c'est pas le même. Si? Oui, il va me dire que c'est le même. Ah non, c'est juste que tout à l'heure j'ai pas pris l'ascenseur. C'est celui où j'étais tout à l'heure. Mais je sais pas. J'ai pas pris l'ascenseur tout à l'heure. Je suis passé par le Teco. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis passé par le Teco. Non, mais nous, ça. Oui, bah c'est par là que je suis passé. Ok, ça m'emmène ici. Sache que pour moi, le stream là il tourne en boucle. Hein. Pourtant, j'ai rechargé 3 fois la page. Oui, c'est normal, il y a eu un crash. Ok. Faut me dire si elles sont. S'il veut bien se reconnecter. Ok, ça vient de se relancer, faut me dire si elles sont. Oui. Il y a aucun problème au niveau du son? Non, y'a aucun souci. Nickel, parfait. Aïe, eh, la Queen, si tu veux venir vocal avec nous, tu peux, hein, tu es la bienvenue. Hein. Tu es la bienvenue. On est déjà sur le 3ème épisode que je tourne là? Ouais. T'en rends pas compte, mais t'enchaînes. What? Oh. Sérieux? The fuck? Ah, mais il m'a pas arrêté au même étage. Si? Si, pourtant. Ouais, mais le problème c'est qu'il va falloir que je traverse de l'autre côté du coup. Ça c'est quoi? J'ai aucun accès depuis ici. On est d'accord, je suis full. Allez, on y va. C'est bon. On arrête de traîner, on y go. Non. J'arrive mais je joue en même temps. Bah y'a pas de problème. Y'a aucun souci. Moi aussi je joue en même temps. Hein. Attends Zed. Je vais te sortir de là. Problème. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Ce droïde est à moi. Je vais devoir me sauver moi-même. Alors tu as vaincu Revis. Comment? Oh, la routine. Tu as tué tes compagnons Jedi. J'ai tué ceux qui se sont opposés à moi. Laisse-nous ou va les rejoindre. Même si tu penses que le Conseil t'a trahi, ils étaient ta famille. Quelle arrogance de ta part de prétendre connaître mes motivations. Ce que je sais, c'est que ton obsession pour Tanalore t'a aveuglé. Sache que quoi qu'il arrive, tu ne peux pas changer le passé. Crois-moi, ça je le sais. Tu as peut-être raison. Mais... le passé est une entrave. Et je dois la couper. Le synthoniseur est à moi. Le droïde est à moi. Maître Kree aurait dû vous laisser pourrir dans cette cuve. Libère-lui. Oula. Tu vas bien? Ah ouais, bon. Ça va. Oula, reine de combat. Nice. Tuez-le. Tiens bon, Zed. Je maîtrise la situation. Oh,
que ça. Tu as eu de la chance. Reviens m'affronter. Wow, wow. Donne-moi un skin. Camion pourquoi? Vraiment? Je sens ta peur. Vermine. Tu perds pied. J'ai besoin d'aide, Billy. Captain alors est à moi. Et j'abattrai tous ceux qui se mettront en travers de mon chemin. À mon tour. Amusant. Je ne crois pas, non. Oh, je l'ai esquivé pourtant. Tu ne vois rien. Hey, Alain de Bacta. Ok. Alors c'est lui le type dont tu parlais. Oui. Plus amical que jamais. J'ai assez perdu mon temps. Tu t'en tireras pas aussi facilement. Merci. Deux guerriers au summum de leur pouvoir, liés dans la fraternité. C'est digne des légendes. Zed. Je m'en occupe. On se retrouve là-haut. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, je lui ai roulé dessus, ouais. Je reconnais. Enfin, roulé dessus, non, mais on s'en est pas trop mal sorti, franchement. Ouais. On a utilisé que deux Steam Packs. Ça va, franchement. On a été bon. Oh, plus de vie. Même pas besoin d'utiliser un Steam. Oh, régène. La douce régène. Allez, Zed, on continue d'avancer. Allez, c'est parti. C'est plus sage. Dagan Gera est hors de lui. Il n'arrêtait pas de parler d'une espèce de compas. Ton maître les a créés pour ne pas se perdre dans l'abysse. C'est la première fois que j'en entends parler. Elle a effacé ce souvenir de ta mémoire. Ça expliquerait beaucoup de choses. Eh bien, Dagan est certain qu'elle lui a laissé un compas qu'il doit retrouver. Espérons que c'est vrai. Dagan a envoyé Révis sur un autre complexe sur la Lune. On le trouvera peut-être là-bas. Retour sur la Lune. Super. Oh, Maître Cree, pourquoi m'envoyer libérer ce traître? Les gens sont compliqués. Elle pensait peut-être... C'est l'issue la plus sûre. T'en es certain? Non. Bon, d'accord. Tu sembles nerveux. Je vais avec lui. Monte à bord, Zed. On se retrouve à l'avant-poste. Ouais, j'arrive. Je le savais.
Rappelle-moi de ne plus jamais faire ça. Dagan a dû envoyer Revis chercher le compas. Peut-être que le complexe de la forêt alimente quelque chose sur la Lune. Bah, c'est qu'une supposition. Mais si Revis se dirige là-bas, alors c'est là qu'on doit aller, nous aussi. Mais il y a d'autres zones... Ah oui, c'est vrai que je suis parti en Zoazal, du coup j'ai pas vraiment le choix. Ok. Oui, c'est bien ça. L'enfer. Quoi ? Par rapport là. Allez, allez, allez. Ça va, ça redescend tranquillement quand même. Alors. J'aime bien. Magne. Bédia. Ça m'a tout l'air d'un bloc de données. Ou ce qu'il en reste. Ça, je peux pas l'atteindre. Allez, pourtant, je suis sûr qu'il y a un on truc. Va lui dire qu'on l'a retrouvé. Ah, c'est la demoiselle qui est juste en dessous. Ah, on va lui désolé, Winnie. Le bloc de données est complètement fichu. Oh, mes projets. Parti en fumée. Désolé, Winnie. J'essaierai de te dégoter quelque chose à l'avant-poste. Merci encore. De rien. Voilà. Nice. Allez. Direction la suite. On s'arrête un instant. Hop. T'en sors, Nina ? Hein ? Tu t'en sors sur ton jeu ? Oui. Ça va, bonsoir. C'est là-bas que je veux aller, moi. Ici. Il y a un truc. Raté. C'est fini. Oh. Là, là. Je n'ai pas le temps. Là, accroche-toi. Ah, mais le problème, c'est que là, il n'y a aucun endroit où je peux aller, donc ça c'est un retour, c'est une sortie ça. Censé accéder à ce machin. Allez, allez, là, 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 là. J'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps. Bon. Il semblerait que par ici, pour le moment, y ait rien à y faire. Ah si, d'accord. Ah, je crois. Ah, bah oui. Évidemment. Ça c'est un retour aussi donc. On se bouge de là, ça sert à rien d'être ici. On y reviendra plus tard. Par un autre moyen, je pense. Et je pense même savoir où. Regardez. Non, c'est pas là. Non, toujours pas. Là. Et si je ne me trompe pas... Si je ne me trompe pas, voilà. L'accès, il est au début, ici.
Voilà, ici je peux y aller. Là. Avant, cet accès n'était pas ouvert. Au tout début. Et maintenant, il l'est. Regardez. Nous, on avait atterri là-haut, je crois. Non ? Si, c'est ça. Oh, tu es là, toi. Cole ! Pose tes bottes deux secondes et réponds au vieux Scuva. J'ai l'air d'un bon pêcheur. Je suis pas sûr de comprendre. Mon apparence, petit. Ça te réchauffe les bas-fonds ? Ça te jette des embruns au visage ? T'as l'air en forme, Scuva. Espérons que les tritons frangés seront d'accord. Je vais devoir rassembler tous mes charmes marins si je veux les attirer dans mes filets. Parfait. Nickel. Nickel, nickel. Et donc, nous, on va là-bas. Comment ça, salut ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? T'es qui ? Vous avez de la priorité sur vous ? Non, j'en ai pas. Ah bah si, j'en ai. Alors, vous êtes rien. Moi, j'en ai. Ça m'a pris la journée pour en trouver. Je peux voir ? Bon, j'ai menti. J'en ai pas. Je suis un raté. J'ai envie de te mettre un giga coup de sabre laser. C'est bizarre, hein ? Donc, si je me trompe pas, par ici. Bingo ! On accède de l'autre côté, vous voyez ? Si c'est pas beau, ça. Ce qui veut dire que même ici, je vais pouvoir... Ah ouais, il y a plein de trucs que je vais pouvoir débloquer. C'est génial, c'est génial. Oh, j'ai du secondaire en prévision. Ça, je le ferai plus tard, parce que je crois qu'en bas, il n'y a que du secondaire, là. Je crois qu'ici, c'est que une zone secondaire. Donc, je viendrai y voir, mais... Ouais, c'est par donc là que j'accède à ici. Ah non, c'est par où ? Si, c'était bel et bien par là. Oh, je suis infernal, je suis vraiment nul. Mauvais ce soir, hein. Allez, on va se re-TP, on va continuer l'aventure principale pour les 10 minutes et moi je ferai du secondaire de mon côté, vous en faites pas. Ça me fait beaucoup de choses à faire rien que sur cette planète déjà. Aïe! Le temps de chargement de l'infini. Voilà. On le skip sur YouTube. Hein ? Tu feras un skip sur YouTube du coup. Ouais, y'a moyen, ouais. Ah, voilà, je savais qu'il y en avait au moins un où il y avait des coffres. À moi.
pantalon de bombardier. On a toute la tenue maintenant. Qui es-tu, toi ? Eh, hey, vous avez déjà vu l'ascenseur du canyon ? J'ai pas eu cette chance, non. Qu'est-ce que je rate ? Une ingénierie parfaite, une ascension fluide et une belle durabilité. Et un trésor. Ça vaut le coup d'aller voir ? Je vais faire ça. Merci du conseil. Hop, ce sera pour une autre fois. Hein. Examiner l'ascenseur rouillé de la gorge déterrée. Ah, ça ! MDR. Mais c'est drôle parce que je sais où est-ce que ça va me mener les deux trucs qu'il y a là, c'est drôle. Bref, continuons. Oh, le mec il rentre dans son vaisseau. Il s'en fiche totalement. Juste pour voir rapidement. Oh, j'aime beaucoup ça. J'aime énormément ça. Je préfère ça à l'autre. Ceux-là sont plus longs. J'accepte. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi j'aime beaucoup. Ouais, sympa. Je les trouve plus longs, je trouve ça plus joli. Ça fait plus ermite, tu sais. J'aime beaucoup. Allons voir ce qu'on peut trouver. Ça j'irai plus tard, je sais ce que j'ai à faire sur Jedha. Ah, c'est ici, c'est vrai. La lune brisée, très bien. Ils s'attendront à notre venue. Quel moi, on s'est tiré du Lucerol qu'indemne. Il va falloir que tu m'expliques ce que t'entends par indemne. Je me demande pourquoi Dagal a envoyé Révis au lieu de venir ici en personne. C'est stylé. Ah ça, ça l'est beaucoup moins par contre. Oh, la disparition totale, c'est un peu cassé. Hein, bravo les devs. L'ascension est belle, et puis quand on arrive à un certain point, hop, des pop. Hein. Pas dingue. Hein. Ici le capitaine Dritus. Je vous invite à vous asseoir avant l'atterrissage. Des droïdes vautours. Davis a plus de droïdes séparatistes que prévu. On dirait qu'ils ne nous ont pas encore opérés. Tu peux atterrir ? J'en sais rien. Le plus dur, ce sera surtout de redécoller, et j'ai aucune envie de me retrouver coincé sur ce caillou hanté. Tu pourrais toujours créer une deuxième cantina. Une franchise. Eh, et si tu gardais tes vannes pour plus tard, Jetpack ? Je peux cacher le Mantis. Je savais pas que ce vaisseau était équipé d'un champ de dissimulation. Qu'est-ce qu'elle fait ? Et c'est parti. Les vautours sont droit devant moi. Laisse-la faire. Ok, ça c'était impressionnant. On va le déposer. Bonne chance avec Révis. À vous aussi. Hé, hey, petit. Reviens vite. Jetpack, à toi de jouer. Bien sûr. Oh, et j'aurais peut-être besoin de ton sang. Au cas où je fatiguerais. Ah, Stefan, elle est divine. Mission est littéralement à l'autre bout. Heureusement pour moi. Les pillards bouclent toute la zone. Attendez tout le monde, je veux juste regarder quelque chose rapidement. J'ai une nouvelle crosse. C'est la crosse d'exécuteur.
Elle est pas trop mal, j'aime bien. En vrai, je l'aime beaucoup. Non, tu me mets la crosse d'exécuteur, voilà. Là, j'ai rien d'autre. Ça fait quoi, toi, en vindicateur? C'est pas beau, hein. Ça n'est pas beau. Non, je suis bien d'accord. Un gros canon, c'est magnifique. Et ici, ma crosse est en bois, on est bon. Ça c'est quoi? Touchera pas. Secondaire, c'est quoi? Tout ça. Ça c'est des cuirs. Ça passera pas un cuir. Non, comme ça, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et le sabre, on n'a rien de plus, hein, il me semble. On n'a rien de plus, on est bien d'accord. BD1 par contre. Hop. La tête. Voilà, on a un droïde géonosien, parfait. Bon, je suis pas fan des... Je préfère lui laisser ses petites antennes mignonnes là, j'aime beaucoup. Parfait. Ah, ils ont massacré les droïdes sur place, magnifique. C'est le vaisseau de Revis. Il se dirige vers la tour. Mais comment j'accède là, moi? Ok, via ça. Non mais... Non mais... Oh, c'est foireux. Il faut monter par le complexe. On va en profiter. Nickel. Allez hop. Il faut bouger. Ça c'est pour le retour, ça j'imagine. Parce que je peux pas aller là-haut, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça. C'est par ici. J'ai déjà sécurisé ça, ne l'ouvre pas. Là, en dessous. Ça subit des dégâts. Oh! Quelle optimisation! Approche. Aïe. Hé, hey, BD! Bon sang! Santari a peut-être caché le compas dans la tour. Il n'y a qu'une manière de le savoir. Question. Ce qu'on est là, c'est bien, on fait mumuse, youpi, tralala. Ok, pour l'instant, rien de secondaire qui traîne. En tout cas, je n'en ai pas l'impression. Seule entrée, c'est par la chambre de lancement. J'aime pas trop l'idée non plus. Allez, grimpe, cours ta vie. Cours ta life. Je vais mourir. Ouais! C'est pas passé loin, hein. Oh! À moi.
pourquoi pas une usine sur la Lune? Ça nous éviterait de faire venir les matériaux. Selon vos désirs. Aïe! Tu vas me le payer! Passez bien avant que t'arrives! Oh, aïe! Toi, tu commences à me gonfler dans le cul. Trop d'erreurs, je fais beaucoup trop d'erreurs. Depuis quand dors-tu ainsi? Bientôt, tu chanteras à nouveau. Y'a rien là? Non, non. Hey, tu m'entends? Je suis là. On va bien? Non, fais aller. Je voudrais pas te presser, mais dis-nous quand tu commences à revenir. D'accord. Ne connaissent sûrement pas le plan non plus. Tu es toujours avec nous, Jedi. Tu es tenace. Je dois le reconnaître. Ma foi, c'est la liberté. Et si tu ne renonces pas, tu découvriras toute l'étendue.
Wesh, tendu le machin là. Peut-être me surprendras-tu. Tu dois vraiment pouvoir t'enlever les manœuvres. Mais jusqu'où es-tu prêt à aller? Tu as déjà tué pour parvenir à tes fins. Tu n'es peut-être pas si différent de l'empire. Je n'aurai aucune pitié. J'en attends autant de toi en retour. La reddition est une prison et je n'y retournerai pas. La cage est la seule véritable prison. La bouche. Waouh! Une autre chambre de lancement. Ouais, une ça suffisait. C'est pas encore fini. Approche où tu donneras à nouveau vie à la vision de Dagan. La persévérance te montrera la voie. Il y a un autre passage plus loin. Du secondaire au bout, je pense. Là. Ah, bingo. Vous voyez ? Nice. De la vie ? Non, un point de compétence. Nice. Vous êtes toujours là, les loulous? Ouais. Je viens de voir le temps. Malheureusement, YouTube, je suis au regret de t'annoncer que c'est ici que l'on s'arrête pour cet épisode.